Seigneur, on veut te bénir, te remercier pour cette belle soirée. Merci, Seigneur Dieu, que tu nous as protégés de cette tempête, Seigneur Dieu. On te remercie, Père, Amen. Dans le nom de Jésus. On te remercie, Seigneur. Tu es puissant ce soir, tu es tout puissant, tu es merveilleux. Amen. Et tout le monde dit Amen. Venez louer le Seigneur en avant. Amen. Amen. Est-ce qu'on est venu pour élever le nom de Dieu ce soir? OK, je vais reposer ça encore. Est-ce qu'on est excité d'élever le nom de Dieu ce soir? Est-ce que j'ai des gens qui sont avec moi ce soir? Let's go, mon Denis. Come on. Deux. Come on. Come on. On met les mains ensemble. Chantons ensemble. Pour un chant célèbre, Dieu se tourne vers toi. Où l'espoir renaît, cœur soupira. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la porte de vie. Oh, quand nous sommes en ta prise, nos craintes fuient et s'enfuient ensemble. Hosanna, Hosanna, oh, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire. Sois le bienvenu. Oh. Chantons ensemble, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la porte de vie. Oh, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient ensemble. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire. Sois le bienvenu, oh, Hosanna, let's sing it, Hosanna, 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 you are the God who saves us, oh, you are the God who saves us, worthy of all our, Hosanna, Hosanna, oh, sing it again, Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord. Hosanna, encore. Oh, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oh, you are the God who saves us. Worthy of all our praise. Hosanna. Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, come have your way among us. We welcome you here. Shout out Hosanna. 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 Oh, tu es le roi, le sauveur. Oh, à toi la gloire. Hosanna. Hosanna. We'll sing it again. Hosanna. Oh, nous t'accueillons parmi nous.
sois le bienvenu. Chantons de tout notre cœur ce soir. Hosanna encore. Hosanna. 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 Oh, tu es le roi, le sauveur. Oh, à toi la gloire. Oh, à toi la gloire. Tout l'honneur. Hosanna ensemble. Hosanna. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Oh, tu es le roi, le sauveur. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont convaincus que Dieu est bon ce soir? Est-ce qu'il y en a qui sont convaincus que Dieu est bon ce soir? On dit que je n'entends pas. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu est bon ce soir? Si vous êtes convaincus, je vais entendre un cri de joie après toi. Un, deux, trois. Non, alléluia. Mettez vos mains ensemble. La prochaine, on loue le Seigneur en battant les mains. Let's go, come on, come on, come on. Bon, let's go. Dieu, tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Oh, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta miséricorde dure à toujours. Oh, gens de toute langue. De langue et toute génération, nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons. Pour qui tu es, nous t'adorons. Alléluia, 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 nous t'adorons. Pour qui tu es. Dieu est bon ce soir, alléluia. Hey, yeah. Hey, hey. Lord, you are good. Let's sing together. Oh, Lord, you are good. And your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good. And your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good. And your mercy endureth forever. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, people. Oh, people from every nation and tribe, from generation to generation, we worship. Hallelujah, 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 we worship you. For who? Hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. Oh, we worship you, we worship. Hallelujah, 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 we worship. Oh, you are good. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon ce soir. Si bon, si bon, si bon. Ensemble.
Oh, tu es bon pour toujours, pour toujours. Tu es bon, oh, tu es bon pour toujours. Oh, pour toujours, oh, tu es, tu es bon, pour toujours, pour toujours, tu es bon, nous te louons, Seigneur, pour ta bonté, pour toujours, tu es bon, pour toujours, pour toujours, oh, tu es bon, oh, yes, pour toujours, pour toujours. Il est bon pour vous, il est bon pour moi, pour toujours. Tu es bon, oh yeah, pour toujours, pour toujours. Tu es, oh tu es bon, pour toujours, pour toujours. Tu es bon, oh yeah, pour toujours, tu es bon, oh tu es bon, pour toujours. Alléluia, nous t'adorons. Pour qui tu es, hey, hey. Nous t'adorons. Oh, alléluia, 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 nous t'adorons. Pour qui tu es, oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Qu'on désire le Seigneur ce soir. Est-ce que vous avez soif du Seigneur ce soir? Alléluia. Ensemble. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur. D'une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur, une seule.
seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Sois élevé, oh oui, sois élevé. Et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Roi Dieu très saint, tout puissant, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Pour élever le Seigneur ce soir. Monsieur Ron, restez là. Est-ce que j'ai une gang ici qui est en amour avec Dieu? Est-ce que j'ai une gang ici qui est en amour avec Dieu? Est-ce que j'ai une gang ici qui veut louer le Seigneur? Et la parole de Dieu dit, on élève le Seigneur avec nos voix. Soit on va chanter, nous t'élevons. Et il y en a ici... Peut-être on est fatigué. On a eu des longues journées, puis on est là. Mais le temps de la louange, c'est là que Dieu siège au milieu de sa présence. Amen. Il siège au milieu du peuple. On va le louer de tout cœur. On est prêts? Chantons ensemble. 1, 2, 3, et... Nous t'élevons ensemble. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos louanges ensemble. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nos louanges. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nos louanges. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons par nos louanges. Take it up, take it up, take it up. Say, nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nos louanges. Oh, nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nos louanges. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, par nos louanges. Oh, nous t'élevons, et par nos louanges. Oh, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Eh oui, viens, roi des dieux très saints, tout puissant, oh, sois élevé, oh oui, sois élevé, oh oui, sois élevé. Sois élevé, oh oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant. Oui, viens, oh oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint. Tout-puissant, sois élevé, oui, sois élevé, oh oui, sois élevé, oui, sois élevé, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, sois élevé, Jésus, sois élevé, Saint-Esprit. Élevons le nom du roi des rois. Élevons le seul Dieu des dieux. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Commencez à louer vos propres mots ce soir. Comme nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Oh,
comme moi ce soir. Comme nous t'aimons, Seigneur, tu es si bon envers moi. Tu es si fidèle, Jésus. Oh, ton amour est si bon. Alléluia. Oh, alléluia. Nous aimons te louer, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur Père. Oh, alléluia, comme nous t'adorons, Seigneur. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Comme tu es bon, Seigneur. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer, Jésus. Chantons-le de tout notre cœur ce soir. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer, Jésus. De tout notre cœur. Je veux seulement te louer. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire. Je veux seulement te louer, Jésus, de tout notre cœur. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer, Jésus. Je Levons nos mains ce soir. Levez les mains et dire où je t'aime. Tu es tout pour moi, Jésus. Et j'exalte ton nom au plus haut des. Seulement te louer, chante-le directement, Seigneur. Je veux seulement te louer. Je veux seulement te louer, Jésus, de tout mon cœur. Oh, je veux seulement te louer. Tu es digne, Seigneur. Je veux seulement te louer. Oh, Jésus, chantons-le ensemble. Oh, je te louer, lever mes mains, lever mes mains et dire, oh je t'aime, tu es tout pour moi, Jésus, et j'exalte ton nom, j'exalte ton Jésus. Oh, alléluia. Et j'exalte ton nom. Et j'exalte ton nom. Et
au plus haut des cieux. Alléluia. Oh, comme nous t'adorons, juste adorer le Seigneur ce soir. Je prie de ce moment, louez-le dans vos propres mots ce soir. Comme tu es grand Seigneur, comme tu es digne Seigneur. Oh, alléluia. L'amour est si grand, ton amour est si grand, oh Seigneur. Alléluia, élevons les mains ce soir, adorons-le. Merci Jésus, merci Seigneur. Soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Chantez-lui ce soir. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Oh, je te loue, je te loue, ô Éternel. Oh, car tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel. De ma bouche, sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Oh, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche, sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Oh, alléluia. Je te loue, ô Éternel. Ce soir.
Seigneur, on veut te remercier, te bénir de ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur Dieu, que tu marches dans les rangées, que tu touches les gens ce soir. Levez vos mains, recevez ce soir. Recevez ce soir. Merci, Jésus. Nous recevons ce soir, nous recevons de toi. Merci, ô Dieu, que tu nous touches, que tu bénis ton peuple, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Élevez vos voix. Oh, sachez, mes enfants bien-aimés, que je suis votre Dieu, que vos regards ne soient pas tout autour de vous, à droite et à gauche, mais que vos regards soient fixés sur moi. Moi, je suis votre secours. Moi, je suis la réponse. Moi, je suis celui qui vous donne une paix qui dépasse tout entendement humain. Moi, je suis celui qui accélère la guérison de vos corps. Moi, je suis celui qui vous donne d'avoir la paix, de dormir en paix, émotivement d'être en paix. C'est moi qui règle vos corps. C'est moi qui règle vos âmes. C'est moi qui vous aime. C'est moi qui vous ai créé. Alors, venez à moi avec vos questions et vos requêtes. Et jamais est-ce que je vous dirai non. Au contraire, je vous dis venez, venez, venez et recevez. À ce moment même, recevez. Et recevez au-delà de ce que vous avez demandé. Recevez au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Recevez dans la foi. Recevez avec assurance. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, merci. Regarde ton voisin et dis, reçois ce soir, reçois, reçois ce soir. Merci Jésus, merci Seigneur.
Tournez-vous vers quelqu'un en arrière de vous. Dites, reçois ce soir. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Dans le livre de Jérémie, exactement au chapitre 29, exactement au verset 11. Alors j'étais dans ma place, je me disais, mais il me vole mon verset que j'ai volé au pasteur Jean. Hein? Jérémie, chapitre 29. Et on va lire le verset 11, mais je vais un peu reculer un peu le verset 10. Alors j'ai gardé le même thème pour que ça puisse nous aider à continuer dans cet élan que le pasteur Jean nous a amené, à penser sous le plan de Dieu qu'il a dans notre vie. Parce que Dieu a formé un plan, un projet sur nos vies. Et je crois sincèrement que chacun de nous, là où tu y es, tu peux le reconnaître du fond de ton cœur. Que certainement il y a quelque chose que Dieu est en train de faire et d'opérer dans ta vie. Nous allons lire Jérémie 29, le verset 10 nous dit ceci. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Le verset 11 que notre bien-aimé Stephen vient de nous donner aussi, c'est « Car je connais les projets que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir. » C'est très important de savoir que Dieu, c'est un Dieu de paix et il nous veut du bien. Tu dois commencer à réaliser cela dans ta vie, qu'il y a quelque chose de bien que Dieu est en train de préparer, un avenir certain, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit que je prépare quelque chose pour toi,
réjouis-toi, pousse des cris de joie, parce que Dieu, il ne ment point. Tu le verras certainement s'accomplir dans ta vie. Regarde très bien, il utilise le pronom personnel « je ». « Je ferai quelque chose dans ta vie. J'ai formé. Je connais les projets que j'ai pour toi. » Il le rend personnel. Parce que dans la Genèse, on nous dit que Dieu a dit « faisons l'homme à notre image ». Mais ici, il le rend tellement personnel pour te dire que personnellement, Dieu le prend en main. Il est en train de former quelque chose à ton sujet. Le verset 10 nous dit ceci, que Dieu a dit à Jérémie qu'il y a 70 ans qui vont s'écouler et que le peuple d'Israël va partir dans un pays qu'on appelle Babylone. Ils seront exilés, ils seront dans un autre pays. Pendant 70 ans, Dieu a dit, il y aura un temps. Je vous donne 70 ans. Et pendant 70 ans, vous ne serez pas ici. Je vais vous transférer quelque part ailleurs. Tout le monde a entendu ces promesses, ces prophéties. C'est comme un dimanche. Dieu te dit, voilà ce que je vais faire. Tu reçois cela, mais tu dis, Seigneur, ok, je comprends. Mais le verset 11 nous dit que même s'il t'amène en exil, Dieu a un projet. Dieu a un plan. Il t'amène quelque part, tu vas traverser quelques moments, mais il a un projet de paix et non de malheur. Parce qu'à un certain temps, tu vas penser que, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Non, il ne t'abandonne pas. Il t'avertit en avance que même si tu vas passer dans un désert, il a le contrôle sur tout ce qui va t'arriver. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, dans toute situation que tu vas traverser, sachez qu'il est le maître des temps et quoi ? Et des circonstances. Que les pénuries que tu vas avoir, les problèmes financiers que tu peux avoir, ces moments de vallée, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il a le contrôle. Alors il dit ça en avance à Jérémie. Il dit, écoutez, vous allez passer des moments difficiles, mais je vous avertis que j'ai toujours le contrôle et j'ai des projets de paix et non de malheur. Quelqu'un peut dire amen. J'ai formé. Il a une forme qu'il a en train de donner. Dans Romains 12, nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi ? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Car la volonté de Dieu est bon, agréable et parfait. Donc la volonté de Dieu n'est pas quelque chose de rien, ça va graduellement. Il y a quelque chose de bon, agréable et ça devient parfait. Donc Dieu, il est en train de donner une forme et il ne veut pas que tu sois conforme au siècle présent. Parce que le siècle présent nous donne une certaine forme. Les médias nous donnent une manière de penser une forme. Hein, le monde occidental nous parle des droits de l'homme, de la démocratie. En asiatique, on nous parle de qualité de travail, les asiatiques. Hein, ils sont régulés dans le travail. Made in China, tout est China, tout est China. C'est le travail à la chaîne. En Afrique, et récemment, je suis parti là-bas. C'est une autre forme où le temps est élastique. Hein, c'est élastique. Je pense que Jérémie doit dire, allons-y vite. Non, prends ton temps. Don't rush. Tu dors, mais tu te réveilles. Et puis, tout va très bien. Il y a une autre forme que nous avons de l'autre côté. Alors Dieu dit, écoutez, le monde peut donner une certaine forme, mais ne sois pas dans ce verre-là, mais prends la forme qui va au-delà de ce que le monde peut te donner. Le Canada nous donne une certaine forme, mais Dieu veut que nous puissions prendre la forme spirituelle, une forme de Dieu, la mentalité de Dieu, la manière de faire de Dieu, les choses de faire de Dieu. Tu peux être Canadien, Américain, mais Dieu te donne une autre nationalité qui est céleste. Quelqu'un peut dire amen. Tu ne penses plus comme un Canadien, mais tu penses comme un citoyen céleste du royaume de Dieu. Parce que tu as une forme, Dieu te donne une forme. J'ai formé des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Voilà cette parole que Dieu donne. Et voilà, ils s'en vont dans la captivité avec Daniel, n'est-ce pas, Shadrach, Meshach, Abednego. Les lecteurs de la Bible, vous connaissez qu'ils sont partis en captivité.
Ils ont été exilés, ils sont partis comme ça. Et ils ont fait pendant quelques années, tout le monde disait, mais qu'est-ce qui nous arrive? Le roi Nebuchadnezzar régnait et tout le monde était sous l'emprise de cet homme-là. Jusqu'à ce qu'un homme qui s'appelle Daniel commence à calculer selon la prophétie, Jérémie 29, le verset 10, il dit, attendez, 70 ans vont bientôt s'écouler. Mais le verset d'après nous dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez et vous partirez. Avec cette parole prophétique, il se met à genoux pendant 21 jours. Il commence à s'approcher de Dieu avec assurance. Il dit, Seigneur, dans ta parole que tu as dit à prophète Jérémie, tu lui as dit que nous allons passer 70 ans. Et voilà, avec le calendrier que j'ai, avec la montre que j'ai, la prophétie que tu m'as donnée doit s'accomplir. Alors je viens avec le verset que tu m'as donné. Seigneur, je me prie. Et je sais que tu vas m'exaucer, je vais t'invoquer et je sais que nous allons partir. Et Dieu exauce cela. Il commence à dire, Daniel, tu es le bien-aimé de Dieu parce que tu pries selon la parole de Dieu. Approche-nous avec la parole. Alors ils sont rentrés, le premier monsieur qui les a amenés, c'est un monsieur qui s'appelle Zorobabel. Ceux qui connaissent ce que je suis en train de parler, ils les amènent. Ils arrivent dans le pays, mais le pays vraiment n'est pas bon. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Ce sont des gens qui doivent commencer à travailler. Alors ils se donnent la main, ils commencent à travailler pendant 2 ans, ils se sont donnés tellement. Mais quand ils regardent la gloire qu'ils ont à ce moment-là, ils disent « c'est pas possible, ça n'avance pas ». 2 ans, ils ont bossé fort. Ils ont eu vraiment la force d'aller de l'avant. Ils ont dit, c'est le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu qu'on puisse rentrer et on va vraiment travailler. C'est la volonté de Dieu qui est bon et nous allons le faire. Après un certain temps, ils commencent à se fatiguer. C'est bon de commencer une chose, mais c'est une autre histoire de terminer cela. C'est bon de commencer un business, mais c'est très important de le finir. On a vu des gens qui sont partis à l'université. La première année est bonne, mais la deuxième est autre chose. N'en parlez pas la dernière année. Et ils ont arrêté le travail. Pendant, non pas une année, mais 14 ans, ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Et hence, Dieu voit cela et il envoie un prophète qui s'appelle Agé. Il dit, va leur dire de réanimer les forces. Hein, on va lire ensemble dans le livre d'Agé, et celui qui le trouve à 20 dollars. Bon. 1, 2, 3. Wouh! Alléluia! C'est vrai? Alléluia! Bon, 20 dollars est là. Non, arrêtez, c'est le premier, c'est fini là. Agé chapitre 2. Le verset 2. Parle à Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Judée, à Josué, fils de Josatak, le souverain sacrificateur au reste du peuple. Et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa première gloire? Comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Verset 8, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Amen. Dieu vient les encourager après 14 ans d'arrêt. Il dit, ok, le travail que tu as fait, même si tu n'as plus d'argent, l'or et l'argent m'appartiennent. Et je veux ébranler les nations et tu vas finir ce que tu as commencé. Ah oui, oui, Seigneur, on a entendu ces prophéties, ça fait 5 ans que j'entends cela. Ah, j'ai prophétisé, il dit, écoute, fortifie-toi, Zorobabel. Il dit, oui, je suis fort, mais où est l'Éternel?
Vous savez, c'est bon de commencer une chose, mais à un certain temps, il se posait la question, peut-être c'est un bon projet, mais ce n'est pas le temps favorable. C'est vrai, peut-être il fallait attendre les ressources humaines ou les ressources financières pour aller de l'avant. Certains disaient, oui, c'est le projet de Dieu, mais qu'est-ce qui me dit que l'Éternel me donnera le temps de voir l'accomplissement de cela? Alors, ils se posaient ces questions-là. Ils se posaient ces questions et Dieu vient les encourager, les fortifier, les encourager. Il dit, écoutez, allez de l'avant, n'arrêtez pas. 2011 est fini, mais 2012 sera avec toi. Oui, Seigneur, mais je manque la force. Jusqu'à ce que vienne le prophète qui vient après Agé. Et c'est là où est mon message d'aujourd'hui, Zacharie chapitre 4. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Tout cela, c'était l'introduction pour vous amener là-bas. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Maintenant, Zacharie, il vient, il leur dit une chose. Et je veux que tu retiennes cela au nom de Jésus. Pour que tu puisses saisir le plan de Dieu dans ta vie, tu dois saisir Zacharie chapitre 4, le verset 6. Il dit ceci. Alors il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors ce soir, Zorobabel, là où tu es, ce soir je parle à toi. Une chose que tu dois retenir dans le plan de Dieu, ce n'est ni par la puissance, ni par la force que tu vas l'accomplir, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as commencé, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, je ne sais pas où est ta force actuellement, je ne sais pas les faiblesses que tu as, mais l'Éternel te dit, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance que tu vas accomplir cela, mais la force de Dieu va t'assister en cela. Peut-être tu as reçu une prophétie, ça fait des années, et tu dis, Seigneur, comment s'accomplira-t-il? Même Marie, la mère de Jésus, a dit, comment cela s'accomplira-t-il? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider, c'est le Saint-Esprit qui va te donner la force d'aller de l'avant. Par humainement parlant, tu ne pourras pas réaliser. Il y a des fois, Dieu parle des choses incroyables, incroyables. Dieu te donne un songe, comme Joseph qui va aller en Égypte. Un songe, dans le dictionnaire, ça veut dire un rêve impossible. Dieu donne un songe, c'est quelque chose que tu imagines, tu dis, c'est impossible. Quasiment impossible. Il te dit, je vais faire ça, tu dis, comment cela arrivera-t-il? Le Saint-Esprit te couvrira. La première des choses que tu dois toujours garder dans le plan de Dieu pour ta vie, c'est que le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Il va orchestrer des choses. À un certain temps, tu diras, waouh, c'était le temps de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui guide toutes choses. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse des lions. Et tout le monde disait, c'est fini cet homme-là. Mais ils avaient oublié que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Les lions sont venus pour manger Daniel, mais ils ont oublié que Daniel vient de la tribu de Juda. Et dans la tribu de Juda, il y a une promesse qui dit qu'il y a un lion dedans. Et les lions ne se mangeaient pas. Et ils ont regardé Daniel, ils voyaient un lion en lui. Il a dit, oh bonjour mon frère, bonjour. C'est nous les hommes qui se mangeons, mais les lions ne se mangent pas. Ils ont regardé Daniel et dit, mais c'est le nôtre. Parce que le Saint-Esprit va te couvrir. Même tes ennemis vont te regarder et dire, mais qui est celui-là? Il va te couvrir d'une manière extraordinaire. Amen. Toi-même, tu seras étonné et dire, mais comment ça s'est passé? Le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a ce soir un Zorobabel dans ce lieu? Tu as commencé quelque chose dans ta vie, tu as commencé un projet, tu as commencé un plan, mais à un certain temps, tu commences à sentir que ni l'argent, ni l'or, ni la force te manquent de persévérer. Écoute une chose, maintenant, il faut demander la puissance du Saint-Esprit. Parce que là, humainement par là, tu as fait ce que tu devais faire. Maintenant, il te reste que Dieu maintenant embarque dans la barque et que la tempête s'arrête. Je parle à ceux qui passent des moments difficiles dans leur maison, dans leur business. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as commencé, mais Dieu est avec toi. Il va te donner la puissance et tu vas aller de l'avant.
La deuxième chose que j'aimerais que tu gardes, c'est le verset qui suit, le verset 7. Il dit, qui es-tu grand de montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Deuxième point, c'est qui es-tu grand de montagne devant Denis Nchuti? Tu parleras aux montagnes. Parce que les montagnes, ils ont des oreilles. Jésus a dit, vous parlerez à ces montagnes-là, jette-toi dans la mer. Le problème avec nous, au lieu de parler aux montagnes, nous parlons de nos montagnes. Oh, ça ne va pas. Voilà, voilà, voilà. Ça, tu parles non pas à la montagne, mais tu parles de ta montagne à quelqu'un d'autre. Et la personne n'a rien fait, il va encore parler de ta montagne à quelqu'un d'autre. Et nous avons une chaîne continuelle. Mais la puissance que tu as, c'est de parler à cette montagne-là. Il dit, ôte-toi et jette-toi à la mer. Amen. Qui es-tu grand des montagnes devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il y a des montagnes qui sont devant toi, qui se sont élevées. Et tu les regardes et tu dis, Seigneur, comment est-ce que je vais monter? Comment est-ce que je vais surpasser cela? Avec la puissance du Saint-Esprit, tu ne vas pas monter, ils vont s'écrouler soi-même. Ils vont tomber une à une. Boum, 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 boum. Tu dis, mais comment ça s'est passé? Parce que qui es-tu grand des montagnes devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et on va acclamer cela. On va dire, waouh, comment ça s'est passé? Troisième chose, regarde verset 8 et 9, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Troisième point que j'aimerais parler, c'est ce point qui dit que Dieu ne fait rien à moitié. Il a commencé une chose, c'est le même Dieu qui termine la chose. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quand il commence une chose, il prend son temps, mais il l'accomplit et il le finit certainement. Ce n'est pas un Dieu qui commence une affaire et termine et puis il fait ça. Non, non, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un homme. Dieu prend un temps et il bâtit et il bâtit. Le problème avec nous, nous sommes linéaires. Nous pensons que Dieu fait A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Tu seras étonné. Dieu, des fois, il commence A et il est sur R. Et puis, il descend encore sur E. Tu penses que, mais attendez, ça n'a pas de sens. Oui, il va sur Y. Il dit, mais il m'avait dit, oui, il t'avait dit, et il va sur Z. Et tu penses que c'est la fin, il te ramène sur B. Parce que Dieu n'est pas un homme. Il agit comme il veut. Des fois, il est linéaire, des fois, il est circulaire. Ah, quelqu'un peut dire amen. Tu pensais qu'à l'âge de 18 ans, tu vas trouver un bon copain. À 25 ans, tu vas te marier. À 28 ans, tu vas avoir un enfant. À 35 ans, bon, c'est la lune de miel encore. Et à 40 ans, vous allez enjoy la vie. À 50 ans, écoutez, on va avoir la retraite, tout ça. Mais Dieu peut commencer autrement. Tu peux avoir ton chouchou chéri à 45 ans. Et tu dis, hey, mais comment? Tu veux penser qu'à l'âge de 60 ans, tu prends ta retraite. Mais non, tu commences à travailler encore. Mais attendez, le Seigneur est bon, non? Tout le monde a dit, mais lui, là, il va finir sa carrière, voilà sa lettre, on lui prépare tout ça. Mais la promotion, ça en vient et tu deviens CEO. Mais tout le monde disait, mais il devait partir. Non, il devait commencer plutôt. Qui a dit non lorsque Dieu a dit oui? Et qui peut fermer si l'Éternel a ouvert la porte? Non, quelqu'un peut dire alléluia. Quand je suis parti en Afrique, je pensais que grand-père est terminé. Mais il est toujours là, 110 ans. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais papa, ça va? Il m'a dit, ça va, l'onction coule toujours. Oh là là. Ça ne finit pas, ça ne finit pas. Il dit, ça marche très bien. Jeune marié, toujours. God is good. L'onction africaine. Hein? Bien-aimés, les choses de Dieu sont extraordinaires. Ça, Dieu est extraordinaire. Tu peux tomber malade, tout le monde dit c'est fini. C'est fini. Avec la maladie là, regarde le rapport médical, regarde ce qui s'est passé. L'année d'avant, voilà l'année d'autre. Tout le monde dit c'est fini.
Le moment où on te condamne à mort, c'est le moment où Dieu te condamne à vie. Lazare, ça fait 4 jours, il est dans le tombeau. Ton mari t'a abandonné. Le divorce est signé. Et Dieu fait quelque chose. Le même mari qui t'a abandonné, c'est le même mari qui tombe encore amoureux de toi. Et il revient et dit, chérie, je m'excuse, je t'aime encore. Mais tu avais signé, oui, j'ai signé, mais je signe encore autre chose. Quelqu'un peut dire alléluia. Le même adolescent qui prenait la drogue, qui est fini, c'est le même adolescent qui va te donner la joie. Tu le regardes et dis, est-ce que c'est lui? C'est pas lui, c'est lui-même. Seulement le Saint-Esprit qui a commencé l'œuvre en lui, il accomplira certainement. Quelqu'un peut dire alléluia. Il commence, il achève. C'est le Dieu, l'alpha et le commencement et... Oh, tu dois te réjouir parce qu'il a les deux à la main. C'est le Dieu de l'infini. Toi, tu peux finir, mais lui, il est à l'infini. Il voit le commencement avant la fin et voit la fin avant le commencement. C'est le Dieu qui te garde. Il veille sur toi, il te protège. Il a les yeux sur toi. Celui qui veille sur Israël, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Oh, tu dois te réjouir ce soir parce que Dieu a un plan dans ta vie. Il a un projet dans ta vie. Peut-être que toi, tu as abandonné, mais Dieu est un Dieu extraordinaire. Il a des projets de paix, projets de shalom. Ce que j'aime en shalom, il y a tout dedans. C'est comme quand je suis venu ici au Canada, on m'a dit, ça c'est numéro un combo. Donc il y a tout dedans, et le drink, et les frites, et tout dedans. J'ai dit, hey. Donc, j'ai compris qu'en Dieu, il y a un combo. Quand il dit shalom, il parle de spirituel, il parle émotionnel, il parle physique, il parle finance, il parle tout dedans. Donc tu as à manger, tu as les frites dedans, tu as à te reposer, tu as tout de même ta retraite dedans. C'est le Dieu shalom, un combo. Quelqu'un peut dire alléluia. Le projet de paix. Et l'autre point qui dit, le verset 10... Il dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Quatrième point, c'est qu'il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Les choses de Dieu commencent toujours faibles. Les choses de Dieu commencent toujours petites. Mais il donne une promesse. Il ne faut jamais mépriser les faibles commencement. Jamais. Ne regarde pas quelqu'un, tu le dédaignes et dis, lui n'est rien. Jamais, jamais. Il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Alors je parle à quelqu'un ce soir qu'on a méprisé dans la vie. On parle à quelqu'un ici où on t'a regardé, on t'a sous-estimé. On t'a regardé avec tes petits moyens et tu as dit, non, non, lui n'ira pas de l'avant. Dieu a un projet. Regarde ce qu'il dit. Il a dit, j'ai formé. C'est dans le passé. J'ai formé dans le passé déjà. Mais j'ai un avenir. Il parle encore au futur. Vous savez, nous les hommes, on peut regarder le passé de quelqu'un et on peut juger, oh, elle était prostituée, elle a eu 5 maris, le 6e n'est pas elle, elle est finie celle-là. Hein? On peut juger le passé. Et on analyse aussi le présent, où elle en est. Ouh, elle a un 6e, mais même le 6e n'est pas elle. Mais ce qu'on oublie, c'est que le futur appartient à l'Éternel. Ce que j'aime avec Dieu, ce que les autres ont condamné dans le passé et dans le présent, Dieu le conjugue au pluriel toujours et au futur. Je te multiplierai à l'infini. Je ferai de toi un grand nom. En toi sortiront des nations et des rois. Des choses que tu ne t'attendais pas, qui sont en toi endormies, Dieu va les réveiller. Amen. En toi, il y a des nations, en toi, il y a des rois que tu ne savais pas. Et Dieu a vu cela d'avance. Amen. Tu devais te réjouir ce soir parce que le projet et le plan que Dieu a pour ta vie, c'est un plan extraordinaire. Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Parce que nous avons entendu au passé et au présent, mais personne n'a vu au futur ce que Dieu est prêt à faire. God is good. On a regardé un certain homme qu'on appelle Job dans la Bible. Job,
On a regardé sa vie, on a dit, oh, il était comme ça, on a vu ça, et c'est terminé. Mais au chapitre 42, lorsque tout le monde l'abandonne, ses amis, ses trois amis, les meilleurs amis, l'ont même critiqué, abandonné. Sa femme n'en parlait pas, elle disait, insulte Dieu et meurs seulement. Ses enfants sont tous morts, son business terminé, les vaches, les moutons, les chèvres, tout est terminé. Sa santé, il regarde, il y va doucement, lentement, les jambes sont parties, les yeux partent. Il n'entend plus, il ne voit plus, ça ne marche plus. Mais au chapitre 42, il dit, je sais une chose, mon Rédempteur se levera le dernier. Je sais, une chose est certaine, mon Rédempteur, après que les hommes ont parlé, après que la santé ait parlé, après que les circonstances ont parlé, Job dit, je connais une chose, l'Éternel se levera le dernier. Sur la terre des vivants. Et si je parle aux Zorobabel qui ont commencé des choses, qui ont eu un plan de Dieu, et Dieu veut te dire une chose, c'est lui qui a commencé une chose, ne méprisez pas ce que tu as fait. Il achèvera cela, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu est bon et miséricordieux. Alors, j'ai compris une chose, le centre-réveil, je ne sais pas où, je ne sais pas, peut-être je suis encore nouveau au centre-réveil, mais je ne suis pas nouveau, mais je sens qu'ici il y a quelque chose, peut-être qu'on n'a pas encore bien saisi, mais il y a une chose que Dieu est en train de faire dans ce lieu. Peut-être tu es un peu timide, peut-être tu es ceci, ou tu vois que ta vie ne marche pas. Ne tombe pas dans la dépression, pas encore, pas, ne meurs pas encore, parce que tu verras la gloire de Dieu. Tu es à la bonne place, au bon endroit, au temps de Dieu. Attends la prophétie patiemment, car elle s'accomplira certainement. Je parle à ceux qui sont dans la solitude, où tu sens que tu es déprimé, tu veux prendre les pilules ou ceci. Attends encore. L'Éternel n'a pas dit le dernier mot sur ta vie. Peut-être que tu te sens opprimé, tu dis, oh Seigneur, la fin de l'année encore. Ce n'est pas encore la fin de l'année. Aujourd'hui, tu peux encore prier et Dieu fera encore des miracles. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'entendre dire Alléluia? Alléluia! J'étais là, après avoir terminé, je me suis agenouillé. J'ai dit, Excellence, bénis-moi aussi. On a tellement béni ces hommes de Dieu, j'ai dit, bénis-moi aussi. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, j'enlève tout aujourd'hui là, c'est un temps prophétique de Dieu. J'ai enlevé les cravates, j'ai dit, bénis-moi. J'ai dit, avec les mains, j'ai dit, même les pieds, vas-y. Parce que la bénédiction, je veux que ça tourne partout. Moi, ce soir, j'aimerais qu'on puisse te bénir aussi. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une bénédiction qui va se déverser sur toi, ta vie. Oh Zorobabel, tu as tant pleuré, l'insomnie est là. Mais ce soir ici, c'est un temps de l'Éternel des armées. Tu es dans le bon endroit. Zacharie dit, réjouis-toi stérile, réjouis-toi fille de Sion. Pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem, parce que ton roi vient. Il vient assis sur un petit d'une ânesse. Il s'en vient calmement dans l'humilité, mais il s'en vient certainement. Est-ce qu'il y a des filles de Sion dans ce lieu qui peuvent dire, qu'il y ait de joie et dire, Seigneur, je sens que tu t'en viens. Tu es assis peut-être, pas sur un cheval, mais sur une ânesse. Mais tu t'en viens certainement. Tu quittes Béthanie pour venir à Jérusalem. Tu quittes la maison de l'affligé, tu t'en viens dans la ville du pays. Tu quittes la maison de Lazare, là où il y a le deuil et la mort, mais tu t'en viens dans la ville d'adoration et de gloire. Quelqu'un peut dire Alléluia. On a dit, délie la naisse, délivre-la parce que le Seigneur en a besoin. Il y a des ânesses ici que Dieu a besoin d'utiliser. Il y a des petits ici où tu étais quelque part enchaîné. Le maître ne voulait pas te relier, mais Dieu a dit, délivre-la et dis au propriétaire que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te faire des grandes choses.
Il a un plan de paix et non de malheur. Tu ne mourras pas à Béthanie. Tu ne finiras pas à Béthanie. Tu ne seras pas toujours enchaîné. Mais Dieu veut te délivrer et t'amener voir aussi la ville de Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, la ville de paix. Il y a un endroit de paix où Dieu nous amène. Et il veut se servir de toi et marcher dessus. Vous savez, quand tu croises ces hommes-là, tu ne marches plus comme avant. Après la prière, je me suis senti comme si je volais. J'ai jamais dit « ça va ?» Il dit « ça va très bien. » Oh, l'avion va, tu vas rater l'avion. J'ai dit « non, l'Éternel est avec moi, l'avion va s'arrêter au nom de Jésus. » Bien-aimé, je vais parler à ces hommes-là, à ces femmes de Zorobabel aujourd'hui. Dieu m'a mis à cœur de parler parce que le Seigneur, il s'en vient. Il est dans ta vie. Il a le regard sur toi. Il a des combos et des cadeaux dans ta vie. Il s'en vient. Vous savez, c'était le dernier voyage de Jésus. Quand il quittait Béthanie pour venir à Jérusalem, c'était son dernier voyage. C'était son dernier voyage. Il a dit, cet ânesse ici, ce petit ânesse, je vais le prendre avec moi. Méprisé, enchaîné, torturé, mais je vais l'utiliser. C'est mon dernier voyage, mais je veux le prendre quand même. Je sens qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avant la fin de cette année pour toi. Peut-être c'est le dernier voyage que Jésus veut opérer dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut bouleverser une fois pour toutes. Où ton nom ne sera plus la malheureuse, où ton nom ne sera plus la stérile, où tu diras comme Élisabeth ou Marie, on m'appellera désormais la bienheureuse. Oh, Marie a dit, on m'appellera désormais la bienheureuse. Changement d'identité. On va désormais me regarder et dire, waouh, elle a changé. Elle a changé. Ton défilé de monde va changer. Quelqu'un peut dire alléluia. Il y a des démarches où tu vois que quelqu'un est vraiment opprimé. Il marche, mais il ne marche pas. Mais il y a d'autres défilés de monde là. Il marche, tu dis waouh, 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 waouh. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce. Bien-aimé, mets la tête haute parce que Dieu veut changer même ta démarche. Dieu veut changer ta forme aussi. Dieu veut changer tes choses. Les choses qui ont été abîmées avant, Dieu veut complètement les transformer. Aujourd'hui, je suis venu t'encourager. Ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que cette parole est mienne? Parce que je sais que je ne parle pas en vain. C'est ta parole, c'est ta prophétie. Reçois-la au nom de Jésus de Nazareth. Il y a un plan que Dieu dessine pour ta vie. Oh, Zorobabel, tu as tellement abandonné, mais ça, c'est ton temps. Ça s'appelle El Shaddai Adonai, notre Dieu. Il ne change pas. Il dit, je suis capable de tout faire, de tout faire. Qui t'a dit non? Qui t'a dit que c'est fini? Alors que Dieu vient de commencer. Il veut commencer une chose. Je bénis le Seigneur. Pour mon temps ici au centre-ville, j'apprends. Il y a trois endroits qu'on, je dirais comme le proverbe qu'on a lu aujourd'hui, il y a deux choses, trois choses dans la vie. Trois endroits que je dirais sont importantes. On m'a dit que le premier endroit où tu veux voir ta vie complètement bouleversée, c'est aller en Israël. Si tu vas en Israël, ta vie change complètement. Le deuxième endroit, c'est l'Afrique. Tu vas en Afrique, tu changes complètement. It's not going to happen, hein? Mais le troisième endroit, c'est le centre réveil. Donc, le troisième endroit, c'est dans ce lieu. Si tu as été en Israël, si tu as été quelque part en Afrique, quelque part, mais tu viens au centre réveil, il y a quelque chose qui se passe. Je le parle parce que je l'ai vécu et je sais ce que je parle. Il y a des choses qu'on apprend dans ce lieu. Et Dieu amène ici des gens qui étaient finis, abandonnés, mais Dieu les recycle, les transforme. Toi qui étais la poubelle, tu deviens la plus belle. Toi qui étais fini, Dieu te met une chose et on te regarde et dit, waouh, quelle marque Dieu a fait dans ta vie. Bethléem, Bethléem, tu es la plus petite des villes, mais en toi sortira
N'est-ce pas tu parais rien, n'est-ce pas tu es méprisé, mais Dieu en toi, il a placé des grandes choses. J'ai envie de prier, j'ai envie de parler en langue, mais je sens qu'il y a d'autres endroits, personnes qui sont ici qui veulent vraiment crier vers Dieu. Je sens qu'aujourd'hui, c'est une soirée spéciale où tu dois prendre, on a dit saisir, tu dois saisir le plan de Dieu. Et ce soir, tu vas prendre la main, tu dis, Seigneur, je saisis le plan, le projet de paix que tu as pour moi. Le projet qui était de malheur, mais tu l'as changé en projet de paix. Oh Seigneur, je saisis cela au nom de Jésus. Ce soir, j'aimerais que tu parles, tu dis, Seigneur, peut-être mon voisin, celui qui est à côté de moi, il pense que c'est fini, mais Seigneur, je connais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Et ce soir, Seigneur, je te prie, ô Père des grandes choses. Peut-être Lazare, ça fait 4 jours que tu es dans le tombeau, mais aujourd'hui tu vas dire, Lazare sort. Ce qui était mort déjà, aujourd'hui tu vas dire, sors. S'il faut sauter, tu sautes. S'il faut te délier aujourd'hui, tu dis, c'est fini. Au nom de Jésus, j'entre dans ma destinée. Aujourd'hui, je quitte Béthanie et j'entre dans la ville de gloire. Cette nuit, c'est ma nuit. Cette nuit, c'est la tienne. Aujourd'hui, tu saisis. Tu prends la destinée de tes enfants. Tu prends la destinée de ta carrière. Tu dis, Seigneur, enough is enough. Aujourd'hui, ce soir. C'est spirituellement que tu prends cela. Tu dis, Seigneur, je m'accapare, je saisis cela. Au nom de Jésus, je tire, je prends ma possession, ma bénédiction. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des Zorobabel ici? Tiens-toi debout, nous allons prier ensemble. Oh, Koriagasikama. Come on, saisis encore. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je tire au nom de Jésus dans ta présence. Je prends, Seigneur, la bénédiction qui m'appartient. Au nom de Jésus. Come on. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis, Seigneur, ce soir, c'est ma soirée. Au nom de Jésus. Ma santé, Seigneur. Ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Je m'accapare de ma bénédiction. Au nom de Jésus, je m'accapare au nom de Jésus de ce qui m'appartient. Oh Zorobabel, peut-être j'avais abandonné, peut-être j'avais laissé, peut-être j'étais méprisé, j'étais abandonné, rejeté. Mais Dieu, Seigneur, ce soir, Seigneur, je prends ma bénédiction. Ce soir, Seigneur, je prends ce qui m'appartient. Ce soir, Seigneur, oh, tu n'as pas dit un dernier mot, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je saisis ma bénédiction. Je ne te lasse pas. Je ne t'abandonne pas. Seigneur, change mon identité. Change mon nom, Seigneur. J'étais Jacob, mais appelle-moi Israël ce soir, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, moi. J'étais Abraham, mais Seigneur, appelle-moi un nouveau nom, Seigneur, qui vient de toi. Au nom de Jésus. Oh, Riagasikama, j'étais la stérile, mais Seigneur, bénis ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Je ne produisais pas, mais Seigneur, laisse que je sois productif. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, que je sois fécond, Seigneur. Que je sois fécond, Seigneur, au nom de Jésus. Oh Riagashikama. Que l'entreprise soit féconde au nom de Jésus. Oh nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, c'est comme Élisabeth et Marie. Élisabeth qui rencontre Marie et dit, tu seras, ta vie a changé complètement. Ta vie a changé. Touche celui qui est à côté de toi et dis, Élisabeth, ta vie a changé. Oh Marie, tu es la bienheureuse de l'Éternel. Ton identité a changé. Au nom de Jésus. Ta vie n'est plus la même. Au nom de Jésus. Tes entreprises ne sont plus les mêmes. Au nom de Jésus. Non, touche ton voisin. Encore une fois, 2 personnes à côté de toi. Au nom de Jésus. Sois dans la paix et dans la joie au nom de Jésus. Cette soirée est la tienne au nom de Jésus. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu as la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Riagasikama, nous l'agashika, Riagas. Alléluia, Sikama. Alléluia, Sikama. Alléluia. On va se prendre en famille comme nous sommes là. Prions ensemble, Seigneur. Alléluia, Sikariagashikama. Élève ta voix aussi.
Ne laisse pas ton voisin seulement, mais aussi bénis-la au nom de Jésus. Déclare la victoire au nom de Jésus. Déclare la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis un mot de plus. Dis, Seigneur, encore une fois ce soir, je suis à toi, Seigneur. Mon mari est à toi, Seigneur. Ma femme est à toi, Seigneur. Mes enfants sont à toi, Seigneur. Mon entreprise est à toi, Seigneur. Ma carrière est à toi, Seigneur. Ma santé est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la paix. Je déclare la joie. Je déclare le bonheur. Je déclare la joie de vivre. Au nom de Jésus. Là où j'avais la dépression. Là où j'avais la solitude. Là où j'étais opprimé. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je crie de joie. Je chante de joie. Je suis dans l'allégresse. Je suis dans la joie, Seigneur. Au nom de Jésus. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon roi. Tu ne changes pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. C'est toi qui me délivres. C'est toi qui me délie. C'est toi qui m'amène dans la gloire. C'est toi qui m'amène à Jérusalem. C'est toi qui m'amène, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à voir la joie, à voir la paix, Seigneur. Au nom de Jésus. Tu as dit, après 70 ans, vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Seigneur, ce soir, nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Après les prophéties que tu as données à tes enfants, les paroles que tu as proclamées, Seigneur. Alléluia, Sikariaga Shikama. Laisse que tu délies, Seigneur. Laisse que tu délivres. La victoire, Seigneur. Une percée spirituelle, une percée émotionnelle, une percée financière, une percée, Seigneur. Ô spirituel, au nom de Jésus. Merci Adonai, notre Dieu. Lo Sikariaga Shikama. Lo Koriaga Sikama. Oh Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es miséricordieux. Alléluia, tu ne changes pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Sikariaga Shikama. Oriaga Sikama, Nuraga Shikama, Oriaga Sikama. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Ce soir, si tu es Zorobabel, que cette parole, tu sens que c'est la tienne, je t'invite ce soir ici devant. C'est une soirée prophétique dans ta vie où tu dois aujourd'hui te déverser devant le Seigneur. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux te mettre par terre, mets-toi par terre. Aujourd'hui, je sens que c'est la grâce de Dieu que Dieu veut déverser. Zacharie a dit que le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième mois, le jeûne du dixième mois sera transformé en temps de fête et de réjouissance. Peut-être tu es dans les jeûnes interminables. Peut-être tu es dans les moments où tu dis, Seigneur, je dois voir la gloire de Dieu. Cette soirée, c'est la tienne. Les jeûnes vont se changer en allégresse, en joie, au nom de Jésus. Élève ta voix, prie ensemble, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia, Sikama. Aujourd'hui, c'est toi-même. Tu dis, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Transforme, Seigneur. Oria, une percée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix ce soir. Dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième mois, le jeûne du dixième mois. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est ma soirée, Seigneur. Les jeûnes se transforment en fête. Les jeûnes se transforment en joie. Les fêtes en allégresse, Seigneur. Cette soirée t'appartient, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Je suis comme Sarah, Seigneur. Je ne concevais pas. Je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas être féconde. Mais Seigneur, cette nuit, Seigneur, touche-moi, Seigneur. Touche ma vie. Touche ma vie. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ta main me touche, Seigneur. Que ta main me touche, Seigneur. Que ta main me touche encore une fois. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons parler sur les finances. Au nom de Jésus. Bénis
bénis, Seigneur. Tu as dit que tu béniras, Seigneur. Alléluia. Que tu ramèneras ce que les sauterelles avaient mangé, ce que les sauterelles avaient dévoré. Au nom de Jésus. Seigneur, les années qu'on mangeait les sauterelles, les années qu'on mangeait les sauterelles. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons les saisir. Nous venons, Seigneur. Alléluia. On s'approche avec assurance sous ton trône de gloire. Au nom de Jésus. Demandons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, n'arrête pas, dis Seigneur, aujourd'hui c'est toi, Père. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Touche ma vie, Seigneur. Touche ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ta main, Seigneur. J'ai besoin de ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, je me demandais comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Comment tu accompliras cela? Comment tu achèveras cela? Comment tu feras cela? Mais Seigneur, ta parole me dit, au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Qui suis-je pour Jésus. Chantons ensemble. Que tu prennes garde à moi. Amène toutes tes requêtes ce soir. Par à celui. Tes demandes aujourd'hui, ça doit être exaucé. Tu es comme Daniel, tu es au 21e jour. Tu as prié, tu dis Seigneur, je viens ce soir. Dans ton lieu très saint. Jésus le roi des rois. Ta grâce infinie. Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Alléluia. À celui qui se donne à pour moi. Chantons ensemble glorifier Seigneur. Oh. Glorifier Seigneur. Chantons ensemble, alléluia. Que ton nom soit élevé et glorifié. Oh Seigneur. Que la terre tremble à ton saint nom. Ébranle la terre, Seigneur. Ébranle les cieux. Que ton nom soit élevé. Oh Seigneur, glorifié. Glorifié. Alléluia.